bien joué, voilà. Et ben là, justement, on arrive à une situation auquel on aurait pu arriver, une situation qui va être difficile. Donc pour le finaliste, le personnage qui va décider du destin de cette finale est Dictateur. Le personnage de Druze, avantagé évidemment par ce choix, Dictateur. 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 Et oui, il est content, regardez l'arbitre, totalement impartial dans ce match. Hey Druze, mon ami, c'est ton perso qui a été tiré, c'est ton perso. Et oui, c'est son perso, et vous les entendez gueuler là, il est content. Alors que les joueurs de 3.3 sont contents lui aussi. Hein. Que venez-vous faire là, monsieur? Hein? Venu squatter, mais attention, est-ce que vous avez votre accréditation passe? D'accord. J'ai le droit de me servir de cette photo pour Twitter? D'accord, ok. Intéressant. Oui, il est là, la photo. Une fille, coffre après alors? C'est pas 3.3? Coffre 13 après, d'accord, très bien. Bah écoutez, chaque fois que je dis un truc, de toute façon, c'est le contraire qui se passe. Grande finale donc entre Skill et DLC et Eldruze. Eldruze qui a eu réellement énormément de chance puisque bah, c'est son perso qui est tiré. Alors là je ne sais pas exactement qui est qui, j'espère que la régie est bien meilleure. Il nous semble reconnaître cette petite touffe de cheveux stylée de Eldruze. Ça doit donc être lui eh bien, qui est de ce côté de la borne en player 2. Et là en revanche, Old Dictateur, bon ça se joue pas trop. Encore la version Old Dictateur serait celle de Dash Dictateur. On parlerait pas, là ce serait vraiment divin. Et on voit quand même la facilité avec laquelle il est en train de dérailler son adversaire. Évidemment, en jouant le perso qui est ton main face à un joueur eh bien, qui a beau DLC tout ce qu'il veut, eh bien ne joue pas avec son main caractère, ça va être compliqué. C'est le tournoi dégueulasse, le tournoi de l'aléatoire. Et cette chope à la relever, elle est tout autant. Et re-chope, très bien échoppé en revanche. Attention, Eldruze qui se fait un tout petit peu enfermer hein, quand même là. Ne pas non plus se faire surprendre et jouer le dingue. Parce que c'est très vite arrivé. Ouais, il mobilise un chope. Généralement, quand tu sais pas jouer, tu faut faire ça. Quand tu connais pas les combos de ton perso. Mais là, Eldruze, il est bien. Il a fait un devant-le-vent, mais il a pris la chope avec ce devant-le-vent encore d'une super pour sortir de là. Et ça fait un partout. Et là, ça peut être le pire wack de l'histoire de se faire tuer avec son propre perso. Ni presse, ni presse, on est en versus symétrique, tout va bien. Les ouvertures sont respectées. Il y a eu un très bon gros pied pour punir hein, de la part de Eldruze. Il connaît comment punir les Psycho Crushers. Et là, il y a moyen. Encore une fois, SoMP, un troisième. Et Lokizem qui va quand même se faire déchoper avec la chope avantageuse. Hein, mais là, il a raté complètement son timing de Mitzi. Et du coup, eh bien, Eldruze remporte ce match 1-0 et sur le point bah, peut-être de s'offrir cette finale. Finale incroyable avec des lots exceptionnels de ce tournoi du schnapps absolu. Après, c'est pas du schnapps. Hein. Après, eh bien, c'est le tournoi solo de King of Fighters 13 avec des surprises, vous allez le voir, de grosses surprises et de belles surprises. En attendant le Team Street 4 qui lui est un tout petit peu plus attendu, enfin, on va dire sans surprise dans les phases finales. On a quand même quelque chose d'intéressant. Oh là, Eldruze, il a pas le temps. Moukoubisme. Moukoubi. Tu ne sors pas de là. On t'a dit pourquoi tu veux sortir. Pourquoi tu veux exister. Pourquoi. Voilà. Perfect. C'est fait. De perfect à perfect. Il n'y a qu'un pas. Et du perfect au gain de ce match. Il y a cette balle de match. Il n'y a qu'un véritable pas. Très bon son medium punch. C'est avec son petit point. Il va le coincer encore une fois. Ouais, il se laisse pas coincer hein, quand même. Un skill en DLC. Il est là, relativement au parfum. La première ni presque est passée, mais il a quasiment gardé tous les Okizem. Hein. Il a du mal à masquer le cross-up sur Dictateur. Il prend énormément de chop du coup. Et c'est lui qui perd tous les matchs de chop quasiment Eldruze. Hein. Mais il y a le lot qui est quand même passé avec une super chargée, toujours un devant-devant. Et quasiment zéro de vital pour le pauvre skill en DLC qui sait plus quoi faire. Et il l'a vu. Il l'a vu. Et bien voilà, c'était déjà décidé d'avance quasiment puisque le destin a décidé de me faire plaisir sur les deuxièmes matchs et a décidé de donner la victoire à Eldruze sur le prochain. Magnifique grande finale. Merci, c'est gentil. Magnifique grande finale et magnifique victoire donc de Eldruze. Le Rennais.